Dans la nuit noire, tout.
grand témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre frère jeunesse. Que nous profitons également de l'occasion pour lui souhaiter un bon anniversaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est vrai, comme je l'ai écrit, c'est un grand témoignage. Amen. Il y a un temps, j'avais vraiment mal à la tête. Je me demandais moi-même ça vient d'où. Et je pensais toujours aller à l'hôpital, faire les scanners parce que c'était vraiment trop. Et quand je disais à mon épouse, elle me dit non, tu ne te reposes pas, il faut se reposer, peut-être qu'il y a mal parce que tu ne te reposes pas. Et des fois, quand j'ai dormi, je mettais mes téléphones à la chevette, mais je me suis dit peut-être ça peut être les ondes du téléphone qui me fait ça, j'ai évoqué cela. Mais les deux semaines ici, c'était vraiment intense. Et cela m'a fait beaucoup raisonner. Je me dis, Seigneur, mais là, je ne montais pas l'inquiétude à la maison. Quand je revenais, c'était tout à fait normal. Mais le matin, quand je sortais, vraiment, je travaillais en forçant. Parce que ça m'est arrivé la semaine passée, c'était mardi ou mercredi, j'étais chez les clients. Et j'ai senti vraiment dans ma tête comme s'il y a quelque chose qui a bloqué tout. Et je ne bougeais pas. Et j'ai crié. Et la cliente m'a demandé, ça va monsieur? Et je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Après, je me suis repris. J'ai dit, oui, ça va madame. Si, ça va monsieur. J'ai dit, oui, ça va. Et en revenant sur le chemin, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment me reprendre, je pense que c'était les lundis. Si tu veux vraiment me reprendre, mais pas de cette façon, je ne vais pas souffrir comme ça. Parce que là, j'ai vraiment mal, ça ne va pas. Et les mardis, on a prié ici. Et le Seigneur nous a visités. Amen. Et les mercredis, j'avais ces douleurs-là. Mais tellement, je me posais des questions. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ma marche? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à me regarder à moi-même. Bon, il est souverain, il sait ce qu'il fait, il permet. J'ai dit, c'était mon anniversaire, à aller faire chanter, mais dans moi, quand il me souhaitait bon anniversaire, j'ai pensé d'autres choses, je me dis, mais Seigneur, ça m'est rappelé encore, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'attend, parce que cette douleur, je ne me quitte pas. Je serais certain, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais moi, je ne me sentais pas bien. Et à la fin, pour partir, je suis allé pour dire au pasteur en voile. Il me dit, ah frère, Jonas, c'est ton anniversaire. J'ai dit, oui mon bien-aimé frère. Il dit, mais bien sûr, on va prier. J'ai dit, ok. Et au moment où il m'a dit, on va prier, je voulais lui dire, frère, je veux que tu me poses. Il a commencé déjà. Directement, je me suis mis à genoux. Mais lui, il ne voyait pas que je me suis mis à genoux. Il était debout. Et je ne lui avais jamais dit que j'ai ça comme problème. Il a prié. C'est maintenant comme ça, sans me poser, mais sur ma tête. Et du coup, il a fait un stop. Et j'ai senti ses mains sur ma tête. Et la prière a changé. Et là, moi je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et il a prié vraiment profondément. Après, il m'a dit, que le Seigneur te bénisse. Je me suis mis debout. Et le pasteur m'a dit, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré quelque chose sur ta tête qui n'était pas bon. Amen. Qui n'était pas vraiment bon. Amen. J'avais des larmes aussi. Amen. Et lui ne savait pas. Amen. Il a expliqué, il a terminé. J'ai dit, mon précieux frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je ne lui ai rien raconté. Je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, vraiment tu m'aimes. Amen. Parce que à moi-même, je me voyais déjà que c'est fini. Parce que je me demandais si je vais à l'hôpital. Ils vont me dire, ah non, on va t'interner, on va faire ceci. J'ai dit non, ça, j'aime pas. Et quand je suis sorti, j'étais avec la sœur Léa, mon frère Ben et mon épouse. Je les ai rencontrés, j'ai dit, le Seigneur est grand. Regarde ce que j'avais. Et du coup, ce n'est pas fini là. Parce que quand je suis sorti, j'avais des douleurs, même quand il a prié. Au moment où je me suis mis à genoux, j'avais des douleurs. Mais quand il a dit que Dieu te bénisse, je suis sorti jusqu'à maintenant. Il n'y a plus de douleurs. C'est un grand témoignage pour moi. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Donc il est vivant, il agit encore. Et Dieu vous bénisse.
Amen. Les vivants, notre Dieu. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse, cher mon frère. Je vais donc demander la suite des témoignages à ma sœur Fanny. Mais je voudrais rendre un témoignage pour la gloire de notre Seigneur et ensuite chanter un cantique avec le frère Vladimir. Bien, ma sœur. Je remercie le Seigneur parce que j'avais remis une requête la semaine passée. J'étais vraiment pas bien, je sais pas ce que j'avais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce que j'avais, mais en tout cas maintenant je suis guérie. Et puis en fait, je voudrais rendre témoignage pour le travail. Donc je cherchais le travail, j'ai postulé partout, j'ai passé plusieurs tests. Et là, en attendant, l'intérim m'avait appelé, j'avais un travail, c'était pas dans mon domaine, mais bon, j'avais accepté. Au début, les horaires, c'était 8h-16h, donc ça allait, je pouvais venir à l'assemblée. Donc j'y allais quand même. Puis le patron, il a dit, oh, mais il y a beaucoup de travail, ça va changer. Donc avant de m'engager, je suis venue voir le Falonard et puis j'ai dit, bon, moi, je ne vais plus aller au travail puisque je ne peux plus venir à l'assemblée. Il m'a dit, si, ma grande, c'est pas grave, vas-y. Parce qu'on va prier, c'est temporaire, tu auras autre chose. Alors j'ai dit, ben d'accord, je vais continuer à y aller. J'étais encore 2 semaines quand c'était les horaires tard, etc. Puis le patron m'avait appelé, il m'a dit « Bon, tu fais bien ton travail, etc. Ça sera qu'une semaine sur deux. » Donc ça avait déjà un peu changé. Une semaine sur deux, je pouvais venir à l'assemblée le mardi et le jeudi. C'était déjà mieux. Et puis là, il y a 2 semaines, j'ai une amie qui me dit « Oh Fanny, ici au CPS de XL, ma chef, elle fait passer des tests et des écrits. » Mais je t'ai pas vu, c'est pas normal, elle t'a pas appelé. J'ai dit, oh, mais j'ai pas reçu d'appel. Elle me dit, oh, mais elle me dit qu'elle t'a appelé. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Elle me dit, attends, je vais dans son bureau, appelle-la tout de suite, je suis dans son bureau. J'ai dit, d'accord, je l'ai appelée. Et puis la chef, elle me dit, oh oui, j'essaie de te joindre, mais ça fonctionne pas. J'ai dit, oh, mais j'ai vraiment pas eu d'appel. Elle me dit, ben, c'est pas grave, viens le lundi, donc c'était le lundi ici de cette semaine, et je vais te faire passer l'écrit, et puis on verra pour t'intercaler l'oral, parce que si tout le monde sera déjà passé. J'ai dit, d'accord. Donc je suis partie le lundi. J'ai passé le test écrit, ensuite j'ai attendu, elle m'a intercalé pour l'oral. Je suis sortie de là, ça allait, j'étais confiante quand même, je m'étais défendue comme je pouvais. Et puis si jamais j'étais prise, elle devait m'appeler seulement la semaine qui arrive ici, vers le 22, le 23. Et le jeudi, là je reçois un appel de la chef qui me dit, oh, vous êtes toujours intéressée par le poste et tout, je dis oui. Elle me dit, ben vous avez réussi les tests. Amen. Pour un contrat à durée indéterminée. Alléluia. Donc elle m'a expliqué les documents à amener. Je vais signer le contrat vendredi et je commence lundi 2 novembre. Donc il est vivant. Amen. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Alléluia.
nous avons réellement des bonnes nouvelles. Amen. Je vous remercie, notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. J'ai ici, je me réveille tout à l'heure, si le Seigneur le permet. Sœur Fanny, tu reviendras avec ton groupe pour chanter « Comment te dire merci » tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons chanter un cantique. C'est Annie, c'est les sœurs, c'est Noah et Sarah. Noah et Sarah. Seigneur, je
veux plus m'éloigner de toi, car tu m'as sauvé. Yeah.
dans le 98A, 98A dans les femmes. Thank you.
sensibilité. Seigneur, tu nous as prouvé par les témoignages, mon Dieu, par les cantiques, mon sauveur, que tu es de ta parole, mon Dieu. Descends encore ce matin, viens nous toucher, Père, viens nous parler, mon Dieu. Nous avons une grande attente, Seigneur. Nos cœurs sont soupirs après toi. Nos âmes te louent et t'adorent. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ce matin, nous sommes venus tel que nous sommes, mon Dieu, avec des questions, avec des problèmes. Mais nous savons, Seigneur, que toi tu es la solution. Toi tu es la réponse, mon Dieu. Toi qui délivres encore aujourd'hui. Tu bâtis du Saint-Esprit. Tu changes nos cœurs, mon Père. Et tous les démons soient chassés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends le contrôle de nos âmes. Prends le contrôle de nos vies. Que tu en nous puisses t'appartenir, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es le seul, mon Sauveur. Le seul qui mérite la louange. Le seul qui mérite l'adoration. Nous sommes venus, Seigneur. Oh, mon Sauveur. Peut-être avec des maladies. Mais en ta présence, mon Sauveur, la maladie est guérie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, pour ton serviteur, que tu as établi en ce lieu, par la bouche duquel tu vas encore nous parler. Seigneur, la fonction de tes mains, qui soit simplement un instrument. Oh, Père, que tu viennes parler à ton peuple, mon Sauveur, qui est venu nombreux, Seigneur, et en qui dansé les mains, mon Père, pour venir t'écouter par les deux vivants. Tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Tu réponds encore aujourd'hui. Tu transformes encore les vies aujourd'hui. Tu changes encore les cœurs aujourd'hui. C'est toi qui touches, oh Dieu. C'est toi qui bénis. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Laisse que ta puissance, oh Dieu, descende encore ce matin. Laisse que ton Saint-Esprit touche encore les cœurs, oh Dieu. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Laisse, oh Dieu, que le cœur le plus insensible soit touché par ta parole, oh Dieu. Que le cœur le plus dur, que tu changes, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis, Seigneur, mon Père. Oh, ton serviteur, par la bouche duquel tu nous parleras aussi. Par les cris de son, mon Dieu. Bénis chacun de nous, la profondeur, la paix, la profondeur, nous pouvons vraiment recevoir de toi, parce que nos cœurs sont réellement en Dieu, nos cœurs sont ouverts pour toi. Merci Seigneur Jésus, parce que la louange en Dieu, la louange brise les chaînes, mon Sauveur, tu libères ton peuple, mon Dieu, tu nous as rendus libres en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te chantons, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous dansons pour toi, Seigneur, parce que tu as fait des grandes choses pour nous. Merci Seigneur Jésus, à toi soit la gloire, la puissance et l'autorité. Viens Seigneur, manifeste-toi, étends ton vent puissant, parle encore ce matin, touche encore nos âmes, touche nos cœurs, change nos frères, transforme-nous Seigneur, fais de nous, ô Dieu, les joyeux de ta couronne, mon Sauveur, nous sommes ton peuple, le tout bon de ton patrimoine, que ta main puissante en lui, c'est toi le bon berger, c'est toi le guide, c'est toi l'appui, c'est toi le rocher sur lequel nous nous appuyons éternel, à cause de ta grâce, ô Dieu, merci pour ton Esprit Saint, qui est là maintenant parmi nous, le Saint-Esprit se meurt. Et cherche-moi le cœur le plus ouvert, le plus sensible, pour toucher encore. Tu veux encore faire des grandes choses, tu veux encore faire des miracles, Seigneur. Accomplis ta parole ce matin. À toi nous abandonnons, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur. Et dans ton bras, tout son frère. Qu'est-ce que nous esprits, il n'est pas de toi. Tout esprit de distraction, de sommeil, de fatigue. Nous le cherchons de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, pour le contrôle, mon Dieu. Domine en seul métier, Seigneur. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Viens, Seigneur. Prends ta nation. Prends le trône. Domine, Seigneur. Dirige au Père. Accomplis ta volonté. Encore ce matin, Seigneur. Oh, notre Dieu. Sois béni. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, oui. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh,
Seigneur bénisse richement. Amen. Oh, quelle assurance. Amen. De savoir que l'Éternel est dans le camp. Amen. Pas un certain ange, mais l'Éternel lui. Amen. Et sa présence dissipe toute peur. Amen. Et avec lui, nous sommes plus que confiants. Nous sommes sûrs et certains. Amen. Il est Dieu qui tient toujours sa parole. Amen. S'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Amen. Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Sa parole demeure la vérité. Amen. Éternellement la vérité. Amen. Ah, que son nom soit béni à jamais. Amen. Nous allons lire le psaume chapitre 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Le jour en instruit un autre jour. Amen. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Yes. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Amen. Ils sont tous justes. Amen. Ils sont plus précieux que l'or, Amen. Que beaucoup d'or fin. Amen. Ils sont plus beaux que le miel, Amen. Que celui qui coule des rayons. Amen. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Amen. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, Amen. Qu'il ne domine point sur moi, Amen. Alors je serai intègre, Amen. Innocent de grands péchés. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, Amen. Et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, Amen. Et mon libérateur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Par cette lecture, je voudrais attirer votre attention au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et insister sur le mot témoignage. Le témoignage de l'Éternel. Il est véritable. L'ancien Jean disait, si nous recevons le témoignage des hommes, c'est bien de recevoir le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu Alléluia. Est plus grand. Amen. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Amen. Est véritable, il est grand. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à fonder notre foi et notre espoir sur ce que Dieu dit de nous. Amen. Pas sur ce que les hommes disent de nous. Les hommes, ils vous donneront tous les noms. De Dieu à des mots. Mais quand Dieu témoigne sur toi, il ne changera jamais. L'homme aujourd'hui te soulèvera. Regardez-moi ici. Prenons que ça, c'est Léonard.
Léonard, Léonard. Il écrit un livre. Léonard, oh Dieu, 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 Dieu. Après là, les mères vont dire non, pas maintenant comme ça. Léonard, Léonard, Léonard. Après là, au dos. Léonard, Léonard, Léonard. Après, il dira, il peut aussi marcher de lui-même, non? C'est ça, non? C'est pourquoi si nous recevons le témoignage de Dieu, nous ne serons jamais déçus. Amen. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi que tu y es, mais ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui compte. Nous lisons l'histoire de Zachée. Il était un homme qui faisait payer les impôts. Et ces hommes-là, très souvent, ils ne sont pas corrects. Ils n'ont pas très souvent un très bon témoignage. À cause de ce qui se passe là-bas, dans les immigrations, dans les douanes et consorts. Ils faisaient payer les taxes et consorts. Pour les hommes, ils n'avaient pas un très bon témoignage. Mais un jour, il avait reçu le Seigneur Jésus dans sa maison. Quand le Seigneur Jésus a regardé au même Zachée que les hommes incriminés, que les hommes qualifiés de tous les mots, de tous les adjectifs, quand le Seigneur Jésus a regardé à lui, il a dit, ça c'est un fils d'Abraham. Et ce témoignage est resté scellé. C'est pourquoi des fois nous nous donnons de la peine pour rien. Tu te donnes de la peine pour rien, mon frère et ma soeur. L'homme, il te lèvera. L'homme, il t'adorera. L'homme, il te fera éclairer. Il fera que le monde entier te connaisse. Que le monde entier apprenne de toi. Mais le témoignage de l'homme n'est jamais véritable. Le témoignage de l'homme n'est jamais parfait. Le témoignage de l'homme n'est jamais grand. C'est pourquoi ne te confie jamais au témoignage de l'homme. Amen. Parce que seul le témoignage de Dieu est vrai. Amen. Une femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi disait qu'elle devait être lapidée. Et personne ne pouvait contester cela. Tous ceux qui croyaient lisaient et disaient elle mérite d'être lapidée. Mais quand son Seigneur était venu, les témoignages avaient changé. La déclaration avait changé. La sentence avait changé. Ne prête même pas attention aux sentences des hommes. Ne prête même pas attention aux ordonnances Amen. De somme. Amen. Elles ne sont jamais véritables. Amen. Elles ne sont jamais parfaites. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, nous devons savoir que le témoignage de Dieu est plus grand Amen. Que celui des hommes. Amen. Dieu nous a aimés d'un grand amour Alléluia. Et il ne se répand jamais Amen. De cela. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné une fois pour Amen. Toutes. Amen. Dieu ne se repentira jamais Amen. De nous avoir pardonné. Amen. Dieu ne regrettera jamais Amen. De nous avoir pardonné. Amen. Dieu ne regrettera jamais de t'avoir appelé. Amen. Parce qu'il voyait ta fin avant Amen. Le commencement. Amen. Il savait ce que tu représenterais dans son royaume. Amen. Il savait ce que tu serais sur sa couronne. Amen. Il savait que tu étais une perle de grande valeur pour lui. Tu avais du prix à ses yeux et il t'a aimé. Amen. C'est pourquoi son témoignage pour toi Amen. Est véritable. Amen. Quelle assurance Amen. De savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Un Dieu qui nous a aimés et qui a scellé son amour Amen. Pour l'éternité. Amen. Et le sceau de Dieu que Dieu a posé sur nos cœurs, Amen. Le sceau de Dieu dont Dieu a scellé nos âmes, c'est jusqu'à la rédemption. Personne ne pourra te l'ôter. Tu perdras la joie du salut, mais tu ne perdras jamais le salut. Amen. Parce que tu as été sauvé Amen. Une fois pour toutes. Amen. C'est pourquoi David disait,
Ramène-moi le Saint-Esprit. Amen. Restaure-moi la joie. Alléluia. De mon salut. Amen. Il n'avait jamais perdu le salut. Amen. Malgré tout ce qui lui était arrivé. Amen. Il n'avait jamais perdu le salut. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour qu'il te perde demain. Amen. Dans ce cas, il serait un Dieu perdant. Notre Dieu n'est pas un Dieu perdant. Amen. Ce sont des hommes qui font des soustractions. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'addition et de multiplication. Amen. Alléluia. Le souhait de l'homme est qu'assis, ce frère ici, sa présence est gênante pour moi. Cette sœur ici, sa présence est gênante pour moi. Si elle peut même quitter l'église. Tu vois, l'homme, c'est la soustraction. Soustraction. Mais Dieu veut additionner et multiplier. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, garde dans ton esprit que le témoignage de l'Éternel pour toi est véritable, Amen. Fidèle. Amen. Dieu t'aime, Amen. Il t'a aimé. Amen. Ne regarde pas à toi, mais regarde à ce que lui a fait pour toi. Amen. Et c'est ce qui t'encouragera de plus en plus, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses continuer la bataille. Parce que nous sommes sur le champ de bataille. Nous combattons la plus grande bataille jamais livrée depuis que le monde existe. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'être rassurés que nous ne sommes pas seuls. Mais l'Éternel est avec nous. L'Éternel est dans le camp. Je vous invite à vous tenir debout. Alors que nous allons nous préparer maintenant pour la partie essentielle. La prédication et l'écoute de la parole. Amen. Nous voulons réellement que nos cœurs soient ouverts. Amen. Que nos âmes soient disposées et répandues. Amen. Afin que quand le Père Céleste, dont l'amour et les témoignages sont véritables pour nous, quand il sera en train de nous parler, que sa parole puisse réellement trouver place dans nos cœurs. Amen. Parle-moi, Seigneur. Oh, Jésus, parle-moi, Seigneur. Oh, Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh, Jésus, parle-moi. Amen. Brise-moi, Seigneur. Oh,
Nous sommes heureux d'être à toi, encore ce matin, de savoir que toi, notre Père Céleste,
gloire, nous trouver dans le cœur, notre Dieu. Tu as vaincu et tu es monté dans le hauteur. Et tu as fait captive la captivité, mon Seigneur. T'arrivera à connaître la grâce et t'avoir avec nos pères pour nous conduire avec assurance, mon Sauveur. Et nous marchons avec assurance, sachant que toi, tu as vaincu, Seigneur. Tu es dans les hauteurs, tu nous observes afin que nous puissions atteindre les portes. Nous chanterons le cœur de frère au Dieu. Oh, le cœur a vibré avec beaucoup de reconnaissance à ton roi. Ce que toi tu es, tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le chant des cantiques au roi, merci pour le saut, merci pour tes paroles, bien entendu, merci pour tout ce que tu fais avec nous et parmi nous, mon bien-aimé Père Saint, pour tous les témoignages que nous avons aussi entendus, mon Sauveur. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais parmi nous, Père, pour ce peuple qui est à toi et qui s'accroche à toi, mon Sauveur. Reçois donc l'honneur et la gloire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Reposez. Nous réjouissons encore ce matin de cette base que nous avons pour pouvoir nous tenir aussi Dieu, savoir que nous, au Rédempteur que nous sommes, c'est lui aussi qui, au lieu d'en parler, qui nous accorde aussi cette base de pouvoir, et il dit aussi qu'en ce jour, il n'a pas changé. Il demeure vraiment le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là notre consolation de savoir que notre Seigneur ne change point. Il est vivant, certainement, comme notre frère Vladimir l'a chanté, et notre Seigneur est vivant. Il fait encore de merveilles. Nous le remercions vraiment pour les témoignages. Nous avons entendu ce que la grâce que Dieu a accordée à notre bien-aimé saint. Nous le sommes reconnaissants parce que nous réalisons aussi combien il nous est nécessaire de vivre de tels moments qui nous témoignent effectivement que l'Éternel est dans le camp. Amen. Et cela a une consolation de savoir que nous marchons non pas avec des hommes, mais nous marchons avec Dieu. Amen. Qui nous conduit effectivement et qui nous témoigne aussi de sa présence. Nous le remercions de ce que, encore aujourd'hui, il manifeste son bras puissant. Amen. Pour réellement aussi nous éclairer par sa parole. Et aussi pour mettre aussi son cachet, comme notre précieux frère l'a lu tout à l'heure, effectivement, que les témoignages d'en haut. Amen. Et ces témoignages d'en haut est plus que les témoignages des hommes. Amen. Nous le remercions parce que ces témoignages d'en haut nous fortifient aussi de savoir qu'il est vraiment au milieu de son peuple et qu'il fortifie chaque âme et chaque cœur aussi qui se donne aussi à lui. Il nous a vraiment rendus libres. Et nous sommes heureux de ce que nous marchons encore aujourd'hui comme nous pouvons les chanter. Sachant qu'il est vraiment toujours le même, et la grâce de pouvoir réellement aussi vivre. Nous avons vraiment soif de pouvoir l'avoir parmi nous, et surtout de pouvoir maintenant aussi vivre avec lui. Amen. Nous voulons réellement que notre Seigneur nous aide à ce que nous puissions arriver au port, Amen. Et que le temps soit venu où nous rentrons donc à la maison, pour pouvoir être dans sa présence. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous voulons vivre avec lui. Amen. Nous voulons qu'il nous aide encore davantage à pouvoir persévérer. Parce qu'il dit, c'est lui qui persévérera. Il s'agit de la persévérance. Mais la question, c'est de pouvoir savoir la persévérance dans quoi. Parce que, ben, il faut qu'on sache effectivement pourquoi nous allons persévérer et dans quelle direction nous allons véritablement aussi persévérer. Nous prions pour que le Seigneur nous aide à nous tenir vraiment comme c'est l'apôtre Paul qui le disait si bien, cet homme de Dieu. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu et couru selon les règles. Amen. Il faut réellement que on soit sûr que nous sommes en train de pouvoir courir en fait pour que nous puissions remporter les prix. Pourront donc de la manière à remporter ce prix et que chacun puisse être conscient qu'il me faut ce prix. Je veux réellement le remporter. C'est pour ça qu'il peut leur dire aussi, donc, oubliant ce qui est en arrière. Amen. Je ne veux pas avoir des boulets sur mes pieds pour pouvoir m'empêcher de pouvoir vraiment aller à la cadence. Il faut que je lâche. Amen. Que je me sente vraiment libre de pouvoir maintenant avancer sans regarder en fait ce qui est en arrière, mais tournons vers ce qui est en avant. Amen.
Nous prions que notre Dieu nous accorde effectivement cette de grâce de pouvoir réellement être dans sa présence et que sa parole à lui puisse vraiment trouver une place dans notre cœur comme nous avons eu à pouvoir l'entendre aussi. Hein. Et si la semence tombe dans une bonne terre, et doit vraiment produire parce que c'est là que le Seigneur, notre Dieu, cherche. Il ne veut pas s'aimer parmi les épines, non. Mais il veut s'aimer, effectivement. Parce qu'il n'y a aucun semeur, effectivement, qui prend sa semence pour pouvoir réellement là, prendre son temps de les jeter parmi les rocs, les épines, et ainsi de suite. Non, le semeur, il a le désir que sa semence tombe réellement dans une terre qui est défrichée. C'est pour ça qu'il veut s'aimer, parce qu'il s'aime avec amour, pour qu'il y ait une récolte. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec joie les graisses. Donc, quand le semeur lui-même, qui est notre maître, sème, c'est parce qu'il aime, il veut que cette semence qu'il sème puisse arriver à pouvoir donner effectivement aussi. Hein, il faut qu'elle puisse tomber dans la bonne terre. C'est pourquoi nous est donc demandé, nécessaire pour que chacun de nous puisse aussi se faire violence, parce qu'il a dit, ce sont les violents qui sont parous du royaume des cieux. Il faut que tu sois violent. Il ne faut pas se laisser en fait de parcelle soi-même, mais il faut se faire violence, effectivement. Et ne sois pas là comme simplement quelqu'un qui est comme dans une église catholique ou protestante. On a lu la parole, c'est bien, mais il faut que cette parole ait aussi quelque part un rapport avec toi. C'est-à-dire que tu te retrouves, effectivement, que ces choses sont miennes. Amen. Elles ne sont pas étrangères, mais elles font partie de moi. Amen. Aujourd'hui, au stade où nous en sommes, avec les événements que nous voyons et les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous devons être partie prenante. Et j'aime l'apôtre Paul qui dit, je fais tout en fait d'y avoir part. Donc, non seulement j'ai la parole et que je la porte, mais je fais aussi tout moi-même pour que je puisse avoir part à cet évangile. Il connaissait l'importance de ce que la parole qu'il avait reçue, qu'il a portée, fasse aussi partie de sa vie, en fait, qu'il puisse devenir aussi une parole vivante. Et être là dans la chose, c'est son temps que est concerné, parce que j'aime beaucoup le Seigneur, parce que regardez comme quand Jean était sur l'île de Patmos, Jean n'était pas extérieur. Dieu a pris Jean, il dit, après ça, j'entendais une voix qui disait, monte ici. Il dit qu'il fut donc là transporté, effectivement, il était dans la chose. Donc il n'était pas extérieur, il était dans la chose. La preuve pour que c'était vrai, c'est qu'à un certain moment, quand on l'a dit, mais qui est digne de regarder les livres, s'il était extérieur, il disait, ah, pour voir qui est-ce qui va. Non, on dit, la Bible dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, pour dire qu'il était, pour savoir qu'il était vraiment dedans, il a commencé à pleurer. Amen. Donc il était dans l'action. Amen. Pas extérieur, mais dans l'action. Amen. On peut lire, mais il faut qu'on soit dedans. Amen. C'est-à-dire qu'on sent que ces choses ici, nous y sommes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous est envoyée. Pour que nous puissions prendre part à ces choses. Et quand le Seigneur nous parle, nous nous sentons étant inclus dans cela. Et à cet moment, comme si nous étions transportés au moment où il était là. Amen. Dans ces conditions. Et nous sommes là avec nos yeux, nos cœurs, et tout d'un coup, parce que nous sommes tellement attentifs, en écoutant la parole absorbée, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, nous sommes transportés dans une dimension surnaturelle. Alors nous sommes maintenant dans la parole. Alors quand elle sort, effectivement, on a difficile de pouvoir résister. Vous savez, j'étais là en train de pouvoir lire et prier, puis je voyais mon frère Christian qui était à la famille, quand dit, alors quand l'onction descend, j'observe. Et puis il rentre, j'observais maintenant, mon frère Jonas ne savait plus s'asseoir. Il était assis, il s'est accroché, ça. J'ai regardé, tout d'un coup, j'étais là. Voyez-vous, c'est tellement rentré. Il est sur la même dimension. On est rentré dans la même dimension. Amen. Alors là, frère, je me suis dit, en tout cas, ici, moi, Amen. Chaise, j'ai derrière, je me lève. Amen. Je vais faire un pas comme ça. C'est, oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi laisser l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez pas lourd, effectivement. Amen. Non,
se dévoiler. Amen. Parce que, vous savez, quand on arrive à ça, c'est difficile de rester sur la chaise. Amen. On s'accroche, à moins qu'il n'y ait rien en soi. Amen. Mais on est là, on voit la tête commence à bouger, et puis à ce moment, on est parti. Amen. Ah oui, c'est cela que Dieu attend de nous, cette liberté. Nous sommes libres. Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas à nous à contrôler ce que Dieu veut faire. Donc, laisser le Saint-Esprit nous contrôler. Amen. Et nous pousser effectivement dans l'élan du cœur. Parce que, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes simplement que des instruments. Amen. Nous voulons que Dieu trouve son plaisir dans moi, dans mon frère, dans ma soeur. Nous voulons que Dieu se réjouisse effectivement en voyant comment nous lui redonnons ce qu'il attend de chacun de nous. En fait, nous devons être participants. Prendre part, effectivement, et la parole dans laquelle nous entrons, nous écoutons, effectivement, nous sentons transportés, et la joie du cœur, effectivement, et surtout quand on entend des témoignages de ce que Dieu fait, Amen. Comment ne pas sauter? Alléluia. Comment ne pas louer Dieu? Amen. Et là, vous avez tous ces témoins, des témoignages étant des témoins, Amen. Que l'Éternel est dans le camp. Amen. 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 Que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Amen. L'Éternel qui fait cela pour nous. Amen. Comment ne pas se réjouir de ces dieux? Dieu soit béni. Bon, j'ai toujours dit, les temps comme ceci, c'est des moments où on veut se sentir bien. Amen. Amen. Seigneur, maintenant, nous ouvrons nos cœurs. Amen. Nous voulons te louer. Si maintenant tu veux qu'on chante, on va chanter. Amen. Nous prions pour que vraiment nous soyons dans cet état d'esprit. Notre sœur, je voulais je pense qu'elle est encore là, elle doit partir. Il y a une question que notre sœur Dorine m'avait donc envoyée, et elle était un peu. Je pense que c'était. Je crois que. Je ne sais plus quel jour j'avais apporté la parole, mais dans sa question, elle a dit: mais, pasteur, je voudrais un peu voir, comprendre un tout petit peu, parce que je crus entendre que tu dis. Donc, pendant la prédication, que ceux qui étaient donc morts dans l'Ancien Testament, donc, ils ne sont pas dans les cieux. Donc, ils ne sont pas donc montés dans les cieux. Et tu as parlé, effectivement, à cause du sang, effectivement, parce que le sang ne veut rien. Mais donc, ceux qui étaient donc dans l'Ancien Testament, donc, ils ne sont pas donc sauvés, donc, ils ne sont pas montés dans les cieux. Alors, vous voulez que je puisse expliquer cela? Mais je voudrais donc aussi, peut-être que bon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu quelque chose comme ça, que je voudrais juste apporter un éclaircissement sur ce point, pour qu'ils comprennent aussi, que vous aussi, vous compreniez cela. Et puis nous lirons dans les Saintes Écritures, comme le Seigneur le veut ce matin, nous lirons ces Écritures. Mais là, je voudrais juste répondre un peu à sa question, qu'elle m'avait donc posée, et qui est tout à fait normale. Donc, vous avez compris la question? Amen. Vous avez tous compris la question? Amen. Alors, si nous prenons dans les livres de Luc au chapitre 16, pour répondre à la question de notre sœur Dorine, Luc chapitre 16, verset 19, il dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de sarlat, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient donc de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, Lazare, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Verset 22. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Alors, vous voyez bien la manière dont les choses sont présentées ici. Alors, on nous montre bien ces pauvres Lazare, quand on nous parle effectivement de lui. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre comment était et qui était ce Lazare, effectivement, en question. Et puis on nous montre d'un côté aussi un homme riche. Cet homme riche, effectivement, vivait donc à l'époque de Lazare. Donc avec Lazare, puisque Lazare était là. Et le riche aussi était là. Donc c'est en même temps. Alors on nous montre, effectivement, comment était la vie de deux, en fait.
Lazare, avec ses ulcères, était là, et puis bon, on nous dit bien que cet homme, il désirait s'assurer le miette qui tombait dans la table du riche. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le même moyen, même standing que l'homme riche, en fait. Lazare. Et voilà que les deux sont appelés. Ils sont donc morts. Et comme vous le savez, il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai, c'est la vérité. Et quand Lazare donc mourut, l'Écriture dit clairement, verset 22, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça doit être un homme bienheureux. Ah, bien sûr que oui. Que Dieu envoie ses anges pour prendre cet homme qui, sur la terre, lorsqu'on le regardait, était un homme pauvre et qui avait des ulcères, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Quand les hommes le voyaient, les témoignages avaient, mais c'était un mendiant, c'était un pauvre. Mais les témoignages de Dieu, pour Lazare, c'était différent. Quand Dieu regardait Lazare, les choses étaient différentes pour Dieu. C'est pourquoi que quand Lazare mourait, c'est pourquoi qu'on n'a peut-être pas. Vous savez, les hommes regardaient un peu, vous savez, pour faire même son enterrement problématique. Mais Dieu a envoyé ses anges pour prendre Lazare, et aussi, effectivement, et dans le sein d'Abraham, Lazare. Le riche, lui, quand il mourut, eh bien, il fut donc enseveli. On n'a pas parlé des anges. Pourquoi il faut toujours comprendre quand les hommes disent il y a toujours un ange gardien pour chaque homme, ici on ne l'a pas vu pour celui-là. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui est vrai. La Bible est toujours vraie. La parole est toujours vraie. C'est toujours autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pourquoi fais attention, mon frère et ma soeur. Ne marche pas comme la religion. Oui. Parce qu'on a beaucoup entendu. Il faut chercher la vérité. Amen. Si, et aussi, l'homme riche avait aussi un ange, eh bien, on voudrait dire qu'il fut porté par l'ange, et il fut déposé aussi de l'autre côté. Mais sinon, il fut enseveli. Tandis que Lazare fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, nous comprenons quand le Seigneur nous parle qu'effectivement, que déposé dans le sein d'Abraham, ça veut dire que Lazare était un croyant. Et Lazare était un homme, malgré son état de pauvreté, était un fils d'Abraham qui avait la foi d'Abraham. Il était pas là, il dit, mais Seigneur, je n'ai pas lu ici pour prêcher. Je voulais répondre à la question du frère. Mais il n'était pas là pendant ça pour dire, Seigneur, moi, il faut que tu me rendes riche quand même pour que les hommes voient que tu es avec moi. Non, mon frère. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Amen. Ne cherche même pas ça. Amen. Laisse Dieu lui-même prouver aux hommes qui tu es à ses yeux. Amen. Amen. C'est pas ça. Voilà quoi, je vais faire pour qu'ils voient, ils voient, ils voient effectivement. Non. Amen. Non, non, non. Si Dieu est avec nous, où sont donc tous les miens? Alléluia. Nous, on ne dit rien, le miracle nous suit. Amen. Le Seigneur l'a dit. Amen. Si vous ne croyez même pas à moi, mais croyez du moins. Amen. À cause de ce que vous voyez. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, Amen. Nous n'avons pas à instruire Dieu. Amen. Nous devons avoir du respect. Amen. Respect et l'humilité dans notre cœur. Que Dieu vraiment nous accorde cette grâce d'être instruit par lui. Amen. Quand vous pouvez voir un homme de la taille de Job, évidemment, qui, quand on peut voir son témoignage, et même Dieu rend témoignage de lui, et après, vers 42 du chapitre, Job dit, mais j'ai parlé des choses, parce qu'il dit, mais je t'interrogerai, toi Job, tu m'instruiras. Et puis, Seigneur, je parlais des choses qui m'étaient passées. Amen. Et il a pouvoir dire, effectivement, je dis, il dit, maintenant, je me réponds. Il dit, mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil t'a vu. Donc, il faut que nous sachions que nous avons besoin de Dieu tous les jours. Amen. Et là, effectivement,
lorsque Lazare était, il connaissait sa position en tant qu'un fils d'Élie, un croyant comme moi, comme Abraham était. Vous n'avez jamais remarqué une chose, frère, quand on regarde Abraham, regardez une chose avec Abraham. Abraham, on regarde comment il était en train de pouvoir marcher avec Dieu. Quand on le voit, on dit que c'était un homme qui était, voyez-vous, de foi, mais c'était un homme qui était comme un malheureux, qui n'avait rien, parce que vous voyez, il allait comme un voyageur, un pèlerin sur la terre. Donc c'était, mais en fait, ce que vous ne savez pas, Abraham était un homme riche. Amen. Mais jamais dans la vie d'Abraham, Abraham a mis l'accent sur ses biens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc en fait, ce ne sont pas les biens qui nous entourent qui doivent être très importants pour la vie d'un fils de Dieu, d'un croyant. Oh frère, mais la richesse que toi tu as, c'est ce que Dieu est pour toi. Amen. Oh oui, ça c'est vrai ça. Ce que Dieu est pour toi, et ce que toi tu es pour Dieu, c'est le plus grand bonheur, c'est la plus grande richesse que le monde ne peut même pas dénommer. Vous vous souvenez, oh Jésus mon Seigneur, je sais pas, mais vous vous souvenez, vous voyez pourquoi j'ai dit cela mon Seigneur, parce que je disais, je vais juste répondre à deux rapidement aux questions de la soeur, parce qu'il doit partir, mais je commence à voir que je reste dedans. Et c'est ça que j'ai dit, je vais m'échapper un peu. Mais regardez. Dans les Saintes Écritures, je pense que c'est cela, ce que le Seigneur nous montre. D'abord que nous puissions remarquer une chose, c'est la manière dont nous considérons Dieu, effectivement, et dans la relation avec Dieu et nous. C'est à ce moment-là qu'effectivement que nous prenons une position tout à fait particulière qui fait que l'homme, le monde, n'arrive pas à pouvoir comprendre. Et surtout pour un chrétien, un fils de Dieu. Un fils de Dieu a un privilège que le monde ne peut même pas. Vous savez, les gens, quand ils se disent, moi, dans ce monde, je suis un fils du roi, donc un prince, il y a des honneurs qui le reçoivent. Mais vous, vous ne réalisez pas ce que vous représentez devant Dieu. Amen. Non seulement devant Dieu, mais devant les anges de Dieu. Amen. C'est la position que nous avons devant les Seigneurs. Amen. Et ça, c'est une grande richesse, effectivement, que nous possédons de la part du Seigneur. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Si ce monde est ce qu'il est aujourd'hui, je veux dire que si on peut avoir du pain à manger, il a dit ici, effectivement. Mais c'est parce que sur cette terre, ici, il y a une présence d'un peuple. Et ce peuple, en fait, c'est bien vous. Vous vous souvenez que dans les Saintes Écritures, nous avons lu une écriture ici dans Job au chapitre 28. Ce qui est précieux pour l'homme, c'est l'or, c'est l'argent, c'est le topaz. Ce sont donc de perles, n'est-ce pas? Et l'Écriture dit, mais si je vais avoir de l'or ou de pierres précieuses, l'homme sait comment tout faire pour l'avoir. Parce que ce sont des choses qui sont précieuses à ses yeux, il veut réellement avoir l'argent et l'or, ce que nous recherchons tous. Des perles et des diamants, effectivement, des choses de grande valeur. Et puis, il pose la question, mais en fait, l'or, je sais où le trouver. Le diamant, je sais aussi où le trouver. Le perle, je sais vraiment où le trouver. Mais la sagesse. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Regardez ce que vous possédez, que vous n'avez pas pouvoir réaliser. Vous vous tuez pour rien, mon frère, vous tuez pour rien, ma soeur. C'est-à-dire que l'homme, comme la Bible l'a dit, c'est la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Mais n'a pas dit de faire de ton pain l'objectif de ta vie. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que les choses restent à leur place. Amen. Et puis plus loin, il te dit. Mais regarde même les oiseaux du ciel. Amen. Alléluia. C'est pour que nous comprenions la chose que nous possédons. Amen. Il est
mais tu t'inquiètes pour le vêtement. Tu t'inquiètes pour la nourriture. Tu t'inquiètes effectivement pour le bien matériel. Il dit, mais mon fils, ces choses-là, ce sont les païens qui s'inquiètent, le recherchent, mais pas toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as trouvé grâce de devenir fils du Dieu vivant. Et si tu es fils du Dieu vivant, tu n'as même pas des soucis, parce que ton Père qui est dans les cieux, lui, il se soucie de toi, parce qu'il sait que tu en as besoin, mais il va te donner par cela par-dessus toutes ces choses. Pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tu ne mets pas les choses à la place. Mets d'abord Dieu de tout ton cœur à sa place juste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va te donner la chose que tu veux. Il va te donner par-dessus, il va te donner au-delà même. Frères et sœurs, nous devons apprendre de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Notre sœur, ici, Fanny, que Dieu bénisse. Amen. Ah, c'est merveilleux. Quand elle a trouvé son job, vous suivez? Son patron lui a dit, tu vas commencer à travailler tous les soirs, mardi, jeudi et tout ça. Donc ça veut dire que le mardi absent, le jeudi absent, c'est le dimanche. Quand elle a entendu cela, son cœur a fait non, 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 non. Elle est venue me voir dans mon bureau. Elle dit, frère Léonard, pardon, mais je viens te voir, j'ai un souci. Je dis, mais lequel? Elle dit, mais voilà, je vais trouver un job là, parce qu'évidemment, je cherche un travail, elle m'a donné un job qui est là pour travailler effectivement ici. Mais j'ai trouvé un job, c'est bien, ça donne, mais le patron me dit qu'il a changé mon programme pour que mardi et jeudi, je puisse travailler et que je ne vienne pas à l'Assemblée. Moi, j'ai dit, non, non, non. Moi, je ne veux pas avoir ce travail-là. Elle est venue dans mon bureau. Elle me dit, ce job-là de travailler le soir, c'est vrai, j'ai besoin du travail. Mais moi, j'estime que, en tout cas, je ne veux pas accepter un travail comme ça où je ne viens pas à l'Assemblée le mardi et le jeudi. Je la regarde. Il dit, pardon. Il dit, oui, je vous dis ce qui est vrai. Hein. Tu dis, pardon. Il me dit, oui, je viens te voir quand même. Bon, je ne vais pas prendre une décision, c'est d'abord te voir. Mais c'est pourquoi je viens quand même te parler. Mais dans mon cœur, comme tu me vois là, je suis là, mais ce travail-là ne m'arrange pas. Et moi, je ne veux pas un travail pour moi. Et puis, il dit, mais vous vous rendez compte? Je n'écoute la parole que seulement que dimanche. Et mardi, et je dis, je risque de pouvoir faner. J'ai dit, mais c'est pas possible. À ton âge. Il y en a de ceux qui sont ici, quand on trouve, on dit, ah, j'ai trouvé le job. Si il dit, ne vient pas dimanche matin, oh, pas de problème, patron. Le mardi, pas de problème, parce qu'il faut la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il dit, toi, tu viens ici, tu as trouvé un job dans ta jeunesse. Tu me dis, mais pasteur, moi je ne veux pas ce jour où je manquerai mardi et je dis, mon âme ne va pas. Je dis, c'est pas possible. Je dis, oh, que Dieu te bénisse. Amen. Je dis, tu sais ce que tu vas faire? Va chez ton patron, signe le contrat. Et on priera pour toi. Amen. C'est pour ça que vous voyez, je dis, vous le voyez, je savais pas que, vous savez que mardi et jeudi, elle n'était pas là. Mais c'était arrangé avec son mari. Tout ce qu'on va prêcher là, quand je m'entraîne, quand toi tu viens, ramène-moi pour qu'on puisse avoir l'occasion aussi que j'écoute aussi ce qui a été dit. Amen. Donc, voyez-vous, donc c'est-à-dire que dans son âme, il avait le désir de pouvoir d'abord que Dieu soit en premier. Amen. La suite, vous l'avez entendu, non? Amen. La suite, vous l'avez entendu, non? Amen. Je sais qu'il y en a des frères et soeurs qui nous font la guerre. Ils disent, oui, voilà, il est là parce qu'il nous parle, que nous prenons. Frère, c'est pas normal que toi, un frère ou une soeur qui a fait des aides à la parole de Dieu, qu'on te donne un job où tu trouves que tu ne peux pas l'assembler. Tu dis, oui, je suis d'accord. Et puis tu dis, bon, frère, je ne sais pas venir parce que quand j'ai terminé le travail à 17h30, j'ai une courbature. Alors, prendre les chemins pour venir, j'ai dit, je me relaxe. Et c'est comme ça. Mais oui, vous ne savez, c'est douloureux. Gloire à Dieu, priez pour moi. Parce que il n'a pas eu la force de pouvoir venir, parce qu'il compte le temps de venir jusqu'à l'Assemblée, qu'on bâtira, va augmenter. Frère, c'est douloureux, frère et soeur, très douloureux. Et quand vous voyez des enfants comme cela, qui viennent, alors qu'ils sont des jeunes comme vous, hein, vous dites, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'ai fait mes études, maintenant j'ai besoin de job, de l'argent, etc. Voilà. Vous dites, arrêtez. Il y a Frère Léonard, bonjour. Et il dit, oh, ça m'a dit, oh, mais pas de problème, mais tu as trouvé mon job. Mais non, il dit, non, j'ai trouvé,
mais je n'en veux pas. Amen. Voyez-vous comment Dieu vous éprouve. Et elle était venue sincèrement. C'est pourquoi je lui dis va, parce que je sais ce qu'elle dit. Je dis va. Il dit, mes frères, dit, mais je savais pourquoi il dit va. Parce que tu es d'abord venu ici. Dieu a vu ton cœur. C'est pas la même chose. C'est pour ça que quand Dieu a. Frère, il faut donner la possibilité à Dieu de juger un cœur comme il le veut. C'est lui qui s'humilie devant Dieu. Il connaîtra la volonté de Dieu. Elle est partie avec elle. Là, je dis non, va. Parce que vous dites, mais pourquoi les frères là me demandent de faire ça? Je dis, mais c'est contraire. Non, Dieu, je ne peux pas vous dire que c'est contraire. Quand je vous dis quelque chose, faites ce que je vous dis. Notre frère, il est témoin ici. Hein? Le frère Jonas. Vous savez, jeudi, c'était jeudi, je pensais, mon frère. Vous savez, jeudi, on a parlé ici, dans les biens Saphira. Comment, je pense que c'était jeudi ou mardi, je ne sais pas, je vais dire. Jeudi. Ah. Ou comment on peut savoir discernement des pensées, les uns comme des autres, effectivement. Vous vous souvenez? Amen. Je crois que c'était un dimanche, j'avais dit que quand je prêchais la parole là-bas en Ouganda, je crois que c'était bien, en disant un roi, Amen. Et Dieu manifeste ça ici. Amen. Donc quand nous avons l'écriture aussi, quand on prêche, Dieu manifeste. Amen. Et ce n'est pas seulement dans le passé, mais encore aujourd'hui. Amen. On a terminé la réunion de jeudi. Je suis allé dans mon bureau. Et là, je m'assieds, et puis d'un coup, mon frère vient, et on a parlé ensemble. Ah, c'était pour son anniversaire, c'est bien. Hein? Voilà. Alors, avec le genre, tout le monde a chanté, puis il vient. J'étais heureux de le voir, effectivement. Je dis, oh, je suis content, mon frère, pour l'anniversaire. Et puis, le frère avait besoin que je prie pour lui. Donc, c'était pour l'anniversaire, je pense. C'était pour l'anniversaire, c'est bien. Il dit, pour mon année, ainsi, les suivants, que Dieu m'a pris la grâce à voir. Bah, alors, il dit, bon, pas de problème avec tout, mon frère, pas de problème. Je dis, mais toi, je veux pour prier les seigneurs, comme on prie pour remercier les seigneurs pour son jour d'anniversaire. Vous vous souvenez? Le frère se met à genoux. Et alors, je m'approche du frère. Et je m'approche maintenant, je prie. Et quand je commence à prier, je me suis approché pour lui poser la main pour prier pour le frère. Pendant que je priais, là, quelque chose s'est passé. J'ai prié pour le frère. Et il a senti qu'en certain moment, aussi, j'avais commencé doucement. Et puis, je commençais à pouvoir prier avec autorité. Pour réellement arriver à pouvoir prendre, en fait, pour que cette chose, effectivement, puisse réellement s'en aller et disparaître, effectivement, il ne comprenait pas. Et alors, il s'est levé. Je lui ai dit, frère Jonas, pendant que tu étais à genoux et que je me suis approché pour pouvoir prier, lorsque je me suis approché, que j'ai posé la main, sans voir que ça passe, je lui ai dit, mais alors qu'à ce moment-là, quelque chose s'est passé. J'ai vu que sur ta tête, il y avait quelque chose de noir, effectivement, avec comme des tentacules, effectivement, comme ça. Il te maintenait en pression comme cela, avec des choses noires comme ça. Puis je commençais à prier parce que ça faisait pression. Et je voyais que c'était une chose qui te maintenait, c'était vraiment une chose qui faisait. Je commençais à pouvoir prier pour toi. Et quand j'ai haussé les troncs, à ce moment-là que j'ai vu, effectivement, ça faisait vraiment pression. Et j'ai prié pour chasser cela. Et pendant que je priais, effectivement, Dieu a accordé la grâce, j'ai vu la lumière, évidemment, la chose s'est dégagée. Amen. Alors, le frère, il me regarde simplement, il dit, ah, il sourit, il n'a rien dit. J'ai dit que Dieu te bénisse, il dit oui. Il dit, frère, que le Seigneur soit béni, je le fais, Seigneur. C'est comme si rien. Puis voilà qu'il est parti. Alors, quand il est revenu, tu peux venir debout. Je vois que c'est mieux quand même de sa propre bouche. Hein. Non, tiens-toi ici, frère, on te voit bien, on puisse peut-être rendre ce témoignage et puis nous continuons. Je préfère qu'il le fasse. Parce que c'est comme il est là juste devant nous. Alors, explique-nous, frère, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dis-moi comment les choses sont passées. Quand je suis entré, quand les frères m'ont dit de prier, quand j'ai demandé, parce que moi j'avais envie de cela, et les frères ont dit on prie, je me suis mis à genoux. Au moment de la prière, les frères avaient ses mains comme ça. Et puis, du coup, il a fait comme un stop. Et la prière a changé. Et ses mains s'est avancées jusqu'à ma tête. Et il a commencé à prier pour moi, et vraiment avec autorité, avec puissance. Et de là, dans moi-même, je me sentais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme je vous ai expliqué, donc c'était une chose qui s'est passée déjà dans ma tête. J'avais déjà, j'ai pensé à beaucoup de choses. Donc, je vous ai expliqué cela, je me voyais déjà que je commence déjà à partir. Parce que je me disais, si je vais à l'hôpital, on va dire des scanners, ça va être encore d'autres problèmes. Donc, Seigneur, je ne veux pas cela, je ne veux pas partir comme ça dans les douleurs parce que je me sentais déjà très mal, très mal. Et au moment où le frère a prié et il a terminé,
Et du coup, parce que j'avais des douleurs, même au moment quand je me suis agenouillé, j'avais des douleurs. Quand il a prié, c'est fini. Et les douleurs s'est arrêtées, bon et net. Et c'est là que quand il m'a dit, je l'ai regardé sur, j'ai dit que Dieu était. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai regardé. Dans moi-même, je me dis, c'est pas possible, Seigneur. Parce que tu me connais, tu m'aimes encore. Amen. Parce que j'avais plein de questions quand je sentais cela. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ma marche ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas digne? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand il a prié, quand cela a quitté, j'ai dit, Seigneur, tu m'aimes encore. Amen. Donc c'est pour ça que je l'ai remercié et j'ai confiance à quel pasteur. Amen. Merci de vous. Vous avez remarqué ce que il arrive parfois qu'on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il dit une telle chose? Je vous l'ai dit l'autre fois. Quand vous entrez dans mon bureau, ne faites jamais cette erreur de dire, ben, on le connaît, hein, puis on va, de toute façon, on peut le rencontrer. Quand vous n'êtes pas droit, parfois je dis rien aux gens, quand vous n'êtes pas droit, dans votre, même étant ici, quand ça passe pas, quand par exemple la parole est apportée, il y a une résistance quelque part, où la personne dit, mais et pourquoi elle a dit ceci, pourquoi, vous ne vous rendez pas compte, frère. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Ce que votre nature, en fait, ça paraît en fait, il est Seigneur, et accorde la grâce quelque chose en soi. Mais c'est parce que Dieu prouve aussi qu'il est avec nous. Amen. Et que ce que nous entendons, c'est pas que, ce ne sont pas des choses qui sont pas, mais ce sont des choses qui sont vraies, que nous aussi nous vivons. Et comme les cas de notre bien-aimé frère. Donc, je reviens au témoignage effectivement en rapport avec notre sœur, pour que nous puissions comprendre effectivement ce qui est important pour un fils de Dieu et une fille de Dieu. C'est-à-dire que les choses dont toi, tu as besoin en réalité, Dieu le sait avant même que toi, tu puisses réellement réaliser que c'est un besoin pour toi. Amen. Donc, puisque Dieu le sait, ce qu'il attend de toi en tant que fils de Dieu, c'est d'avoir confiance. Amen. Mais placer ta confiance, effectivement, le grand problème, c'est que nous avons tendance à pas dire, mais nous allons nous débrouiller, je vais me débrouiller. Je vais dire, mais Dieu, je vais me débrouiller en fait. Frères et sœurs, il n'y a pas à se débrouiller. Amen. Non, il n'y a pas à se débrouiller. Je veux bien revenir sur Abraham. Abraham n'avait pas à se débrouiller. Il n'a même jamais cherché à se débrouiller quand on lui a demandé de pouvoir offrir Isaac. Vous pouvez trouver peut-être des solutions. Un peu, je vais savoir quelque part, je vais faire comme ça, et puis je vais être. Non. Abraham est simplement monté. J'aime beaucoup cet homme. Et il dit encore à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant nous montrons, moi et l'enfant nous reviendrons. Et puis l'enfant dit, mais père, voici donc le couteau, il est fait, il ne s'est pas débrouillé. Il a dit, mais je sais mon fils, mais l'Éternel, notre Dieu, c'est pour moi. Est-ce que vous comprenez? La différence de la foi, le chose de Dieu, c'est un signe par rapport à un fils de Dieu et chaque enfant de Dieu véritable. Je dis bien, véritable, effectivement, doit avoir, c'est pour ça la parole est prêchée, doit avoir effectivement la grâce de pouvoir connaître effectivement c'est Dieu en qui il a placé sa confiance et qui est-il pour lui. Autrement, pourquoi, nous allons voir le temps si Dieu le permet de pouvoir dire cela. Autrement, pourquoi effectivement vous viendrez dans un endroit comme celui-ci? Parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, une église qu'on fait comme les pentecôtistes, les brananistes, c'est pas mon cas. Et puis j'ai toujours répété ici, je sais que j'ai dit, nous ne serons jamais, moi ici, je ne serai jamais brananiste. Amen. Donc jamais brananiste. Amen. Parce que j'ai toujours dit, les brananistes sont possédés, ils sont des démons. Les brananistes ne sont pas des fils de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont des brananistes. C'est pourquoi, si vous croyez que William Branham est un prophète de Dieu, ne dites jamais que des brananistes. Parce que le fait de croire c'est un prophète de Dieu ne fait pas des voix brananistes. Mais les brananistes, ce sont des idolâtres d'un prophète William Branham. Qui sont toujours que ce que le prophète a dit, ce que le prophète a dit. Ce n'est pas ce que le prophète a dit qui m'importe, moi. C'est ce que Dieu a dit au travers du prophète. C'est pour ça qu'il faut pas mal les comprendre. Amen. Il faut bien parce que
les idolâtres, effectivement, et puis les prédicateurs sont vraiment la cause de tous ces maux parmi les peuples de Dieu. Ce sont eux d'abord qui commencent à pouvoir dévier le peuple de Dieu. Parce que, un, d'abord, ils ne sont jamais appelés. Parce que si tu es appelé, tu dois savoir qui t'a appelé. Mais quand tu ne sais pas qui t'a appelé, tu deviens idolâtre. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il doit te donner la parole. Donc, nous revenons. Ce qui veut dire que nous devons connaître le Dieu véritable que nous servons, comme tous les saints et les prophètes ont connu ce Dieu, de la même manière que Lazare, lui, connaissait effectivement son Dieu dans le temps dans lequel il se trouvait et que son cœur était là, donné à ses dieux. Et Dieu savait ce que, par quoi, effectivement, Lazare. C'est pour ça, il faut toujours que, comme la Bible dit, racheter les temps et chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire que chacun de nous doit connaître quelle est la volonté de Dieu pour lui. Amen. Peut-être que je veux aujourd'hui dire comme les gens, oh, je vais travailler chez Petrofina, parce que chez Petrofina, il y a beaucoup d'argent là-bas, on cherche des gens pour le public. Seigneur Jésus, aide-moi, je vais être chez Petrofina, je vais travailler chez Petrofina. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas chez Petrofina que Dieu veut de toi. Mmh. Dis, Seigneur, là où il y a une porte que tu veux que j'y aille pour travailler, eh bien, ouvre la porte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, toujours chercher la volonté de Dieu, et c'est là ce qui est la propriété d'un fils de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est pourquoi un fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui est envieux, n'est pas quelqu'un qui cherche, bon, voilà, bon, comme on est là, il faut que je trouve un travail dans un grand bureau. Quand je trouve dans une conférence, quand je vais chez les frères et sœurs, j'ai trouvé. Maintenant, je travaille chez Vex Emmanuel. Pour qu'on dise, oh, vraiment, tu as trouvé un travail chez Vex Emmanuel. Là-bas, à quel poste? Ah, puis, en plus, c'est Avenue Louise, grand building, 5e étage. Oh, gloire à Dieu. Frère. Alors moi, j'ai trouvé parmi à la poste où je travaille au guichet, où je suis le courrier. Amen. Qu'est-ce qu'on va dire? Je dirai gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Ah, oui, vous vous rendez compte? Et le frère, quand, à ce moment-là, si toi, frère, tu dois, quand tu vois celui qui vient, je vexe tes manières. Tu dis, oh frère, ça va la journée. Et puis tu vois le frère qui vient à la poste avec son sac. Et son vêtement, oh, bonjour frère. Et ça, c'est pas. Ça, c'est ma fille, ça. Il dit, bonjour frère. Il dit, bonjour frère. Et, bonjour frère. Et puis, vex et manière. Qu'est-ce que ça fait, vex et manière? Vex et manière. Aujourd'hui, il vient à la tête. Ah, chez vex et manière, on lui a donné une grosse voiture. Quand il vient, il rentre sous le parking. Bébé, bébé, bébé. Il dit, pour que tout le monde dégage. Et lui, il a une petite Fiat, je ne sais pas comment. Bon, vraiment pas là. Une petite voiture, là, même deux portières. Il travaille à la poste. Et quand il vient, mon frère. Moi, Dieu m'a donné mon travail à la poste. Je suis content de distribuer mes courriers. Je trouve le temps de parler avec les gens. Je vais que c'est manière, tu es toujours là, avec ton nœud là. Et puis, oui, oh yo, on va prendre le petit verre. Oh, toi un frère, oh non, c'est pour le business. Non, moi je suis avec mon courrier. Ah, gloire à Dieu, ça va madame, Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Qui a une bonne place? Je suis content que tu sois avec ces manières. Pour autant que d'abord aussi, que tu puisses d'abord être d'abord humble. Amen. Et qu'effectivement, tu serves Dieu. Amen. Ce n'est pas dit qu'il ne faut pas avoir le travail avec ces manières. Amen. Tu peux aussi avoir été, par exemple, à la poste, tu dis, bon, là, je veux prouver que te monter maintenant, monte avec ces manières. Amen. Pour montrer que moi, je suis Dieu, tu peux te montrer plus haut. Amen. Mais tu ne vas pas venir ici et dire, gloire à Dieu. Moi maintenant, je suis chez Vex et manières. C'est pour ça qu'on va dire, revenez à la voiture là qui est là. Tu es vraiment bon. On m'a donné la voiture chez Vex et Manière. Donc, que je sois chez Vex et Manière. C'est pour que nous comprenions, frère. Que Dieu donne, quand il te donne quelque chose, apprécie. Amen. Parce que ce n'est pas le fait que je suis chez Vex et Manière, je suis différent des autres. Non, nous sommes tous frères. Amen. Et l'argent chez Vex et Manière n'a pas le même odeur que l'argent que je gagne là-bas. C'est le même argent. Oui. Là-bas, peut-être tu fais comme ça. Moi, je fais simplement comme ça. Et à la fin, j'ai ce qu'il me faut. Et toi, pour avoir. Et puis en plus, avec ces manières, il faut faire tout. Puisque tu n'as plus même l'esprit qu'il faut pour être humble. Tu vas essayer de voir te faire des crédits. Tu vas avoir des maisons où tu achètes une cuisine de 10 000 euros. Alors que moi, avec 1 200 euros,
J'ai une cousine de 800 euros, il est bon chez moi. Même plaque, je chauffe la même chaleur. Oh, parce que, pourquoi je fais ça? Parce que mes collègues, c'est avec ces manières. Quand ils vont venir chez moi, il faut qu'ils voient aussi que je suis aussi avec ces manières. Et que j'ai un standing chez moi à la maison. Mon frère ne va pas t'appauvrir pour rien. Il a des secondes mains. Tu tapes effectivement une cousine en seconde main, je prends. Je viens chez moi. L'important, c'est quoi? Ça chauffe la nourriture. Oh, il faut iglo, il faut cuisine iglo, il faut machine iglo. J'ai pas besoin de machine iglo. J'ai besoin d'une machine qui tourne mes vêtements. Une machine qui lave la vaisselle. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, donnez-vous à avoir la connaissance de ces dieux que nous avons et qui nous donnera toujours les meilleurs. J'ai toujours dit ici, quand vous ne visez pas les machines iglo, lui va vous amener une machine iglo. Bien sûr. C'est comme je toujours dis, frères et sœurs, que nous aimons notre Dieu. Que nous croyons même au travers des épreuves de la souffrance, frère, que Dieu soit l'objet, le principal. Parce que l'épreuve par laquelle tu passes, ça ne va pas toujours durer. Il y a un temps pour cette épreuve. Et Dieu va certainement ouvrir une porte pour que toi tu sors de l'épreuve. Oui, c'est sûr. Parce que dans l'épreuve, effectivement, c'est là que tu apprends davantage la puissance de ton Dieu et la gloire de ton Dieu. Invoque-moi dans ta détresse. Toi, pas un autre, mais toi. Si tu m'invoques, je veux te délivrer. Et toi, qu'est-ce que tu feras, Vivant? J'étais dans les bas-fonds. Mon Dieu m'a délivré. Alors tu vas le glorifier. C'est cela la nature d'un fils de Dieu. C'est pas un homme qui cherche la gloire. C'est pas un homme qui cherche la richesse. Non! Il cherche à ce que son Dieu soit glorifié dans sa propre vie. Et Dieu ne pourra jamais t'abandonner parce qu'il a dit, je n'ai jamais vu le juste. Donc aussi longtemps que tu t'accroches à ces dieux et que de tout ton cœur il donne, c'est sûr et certain que c'est Dieu qui va prendre soin de toi. Mais bon, c'est cela que les saintes écritures nous apprennent, effectivement, en tant que fils et filles de Dieu. La nature, en fait, la manière dont nous regardons aussi nos frères et nos sœurs. La charité n'est point envieuse. Et ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même si aujourd'hui je suis à un niveau et que mon frère est à ce niveau, je ne peux jamais me comparer. Non, mon frère est un fils de Dieu privilégié et nous avons la même position, effectivement. Ce ne sont pas des choses de ce monde, effectivement, qui vont effectivement faire de nous que nous sommes différents. Non? Nous sommes exactement pareils et que nous sommes, comme l'avait dit, un en Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le voir aussi, la preuve de cette nature de Christ, effectivement, en nous, c'est que c'est lui qui avait beaucoup. Et quand il voyait que l'autre frère n'avait pas beaucoup, il dit, ah, et là on voit bien que Dieu me bénit moi. Et lui, là, il est là, effectivement, on chante. Non, c'est lui qui avait beaucoup, prenez ce qu'il avait. Amen. Pour donner à son frère, pour faire que les choses soient, que lui soit bien, que je sois aussi bien. Ils avaient bien compris. Bien compris. Mais ce n'est pas comme vous, aujourd'hui, effectivement, chacun, aujourd'hui, n'appliquez jamais ce que les hommes disent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Nous tous pour nous tous. Parce que vous comprenez? Pas chacun pour soi, mais nous tous pour nous tous. Mais Dieu pour nous. Amen. Oui, nous tous pour nous tous. Chacun pour soi. Et dans ces débrouillés aussi, chacun pour soi. Non, nous tous pour nous tous. Et Dieu pour nous. Amen. Et ça, c'est une nature dans laquelle un fils de Dieu et une fille de Dieu doit avoir. Et quand une situation n'est pas, et ça ne va pas tellement très bien, eh bien nous avons un moyen de l'approcher auprès de son trône. Amen. Pour qu'il puisse réellement. Alors, Lazare, comme je disais, effectivement, un pauvre Lazare. Et voilà que quand il mourut pour répondre à mon question,
Il fut donc transporté par les anges pour le déposer aussi dans le Saint-Abraham. Les riches aussi, lui qui menait vie joyeuse sur la terre, quand il mourut, point du tout, il descendit ou s'est enseveli. Comme l'Écriture le dit. Les termes utilisés sont différents. Amen. Ah oui. Vous, en tant que fils de Dieu, votre situation en vous. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi c'est lui qui cause un problème à un fils de Dieu et à une fille de Dieu. Il ne sait pas le malheur qu'il attend effectivement. Parce que tout ce qui vous touche, vous, tout ce qui est en rapport avec votre vie sur cette terre, en fait, touche directement Dieu. Amen. Écoutez très bien, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous dit une chose, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand toi, tu aimes Dieu, de tout ton cœur, Dieu a les yeux fixés sur toi. Amen. Dieu veille sur ce qui est à toi. Amen. Ça vous rappelle aussi, non, quand Satan dit au Seigneur, il me dit, mais est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Tu as béni ses troupeaux et ses biens. Mais c'est parce que Job s'accrochait à son Dieu et tout ce qui appartenait à Job était sous le regard de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, maintenant, quand quelqu'un touchait cela, ben, il devait avoir affaire au Dieu de Job. Amen. Voyez-vous que Lazare était sur la terre, vivant sur la terre, mais il était devenu en fait la propriété de Dieu. Parce que quand il mourut, Dieu n'a pas abandonné Lazare comme cela. Non, il a pris donc Lazare, effectivement, par ses anges, effectivement, pour le placer quelque part. C'est-à-dire que tout ce que vous avez qui est à vous, et sur lequel votre cœur s'y place aussi, le Dieu du ciel veille. Et je l'ai toujours dit à pouvoir le dire ici, peut-être vous avez difficile à pouvoir le croire. Quand vous croyez en Dieu et vous l'aimez de tout votre cœur, sûr et certain, soyez en paix, votre postérité, Dieu en prend soin. Amen. Le problème, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Le problème, c'est vous avec Dieu. Quand vous aimez vraiment Dieu, vous savez, la bonté de Dieu est un... Je ne sais pas le mot que je peux utiliser. Elle est très profonde. La bonté de Dieu. Même dans le psaume, on dit, mais quand je chancelle au Dieu, ta bonté me sert d'appui. Donc, même quand je chancelle, ta bonté me sert d'appui. Il dit à David, il dit, mais ta postérité, ta descendance, elle pourra pécher, faire ce qui peut s'animer. Je les châtirai, mais jamais je leur enlèverai ma bonté. Amen. Donc, c'est pour comprendre effectivement que quand on parle de bon, c'est pourquoi quand cet homme s'est approché du Seigneur, il dit, mais bon maître, il dit, mais il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Donc, quand moi je suis un homme, je peux être bon aujourd'hui, demain je peux changer de vie. Ah oui? Je peux changer? Mais non. Quand Dieu est bon, il est bon. Amen. Vous savez, parfois je regarde, je pleure aussi des choses de cette vie. Je marche, parfois je me tiens quelque part, je regarde, je pleure, je dis, Jésus, mon Seigneur, c'est pas possible, Père. Je dis, oh, vous savez, parfois le cœur explose, il dit, mais mon Dieu, les êtres humains n'arrivent même pas à comprendre. J'ai dit, mais c'est pas possible, oh Jésus, mon roi. Il n'arrive même pas à pouvoir comprendre ce que toi tu as fait. C'est-à-dire que le temps dans lequel les hommes vivent aujourd'hui, vous vous rendez compte que si c'était de l'autre temps, mais il y en a des gens qui étaient frappés par des foudres ici. Et oui, frères et sœurs,
Mais nous vivons dans un temps qu'on appelle les temps favorables. Le temps qu'on appelle le temps de la grâce, frère. C'est là que réellement la bonté de Dieu, l'amour davantage profond de Dieu s'est manifesté à l'endroit des autres qui n'arrivent même pas à pouvoir voir pourquoi Dieu laisse autant le temps aux gens. Ouais, mais non. Donc, ce qui veut dire que quand vous, vous êtes vrai devant Dieu, vous n'avez pas remarqué pour que vous puissiez voir cette bonté de Dieu, effectivement, à votre endroit. C'est pourquoi il faut que vous, vous soyez d'abord droit, même si vous avez un problème à gauche, à droite, dans la justice, et ceci et cela, pour que ce soit, frères et sœurs, pour qu'il y ait une bonne défense pour vous. Amen. Il n'y a pas de meilleur avocat. Amen. Ça, je vous l'ai dit, moi, Amen. Bible, amen. C'est pas pour dire, oui, il dit ça parce qu'il sert à Dieu. Non, frère, moi, j'en ai vécu moi-même. Amen. Il n'y a pas de meilleur avocat dans ce monde. Parce que tous sont des hommes, parfois, ils flanchent là-bas, pour chaque fois, avec loi. Mais il n'y a pas de meilleur avocat si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Dans mon propre dossier, à moi, Bible, amen, ici. J'ai eu des avocats. Parce que tous ceux par lesquels vous pouvez passer, je connais, frère, parce que je suis passé par ce chemin. Les avocats, je connais, problème, tout, je connais par la grâce de Dieu. Dieu a voulu me faire passer par là pour que je ne sois pas un perroquet. Amen. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas parler des choses auxquelles vous n'avez pas pris part. Donc, je suis passé par tous ces chemins-là pour que maintenant je sache effectivement quand cela est ainsi. C'est pourquoi. La compassion à l'endroit de quelqu'un, c'est parce que vous ressentez ce que la personne ressent. Amen. Amen. Oui, avoir vécu chez des gens, avoir eu des problèmes parce que j'ai vécu chez des gens, je les connais aussi. Amen. Avoir été chassé quelque part dans la maison où vous étiez, je les connais aussi. Amen. Donc pour avoir compassion de quelqu'un, quand vous voyez un frère et une soeur, et souffrez, vous les prenez dans votre bras avec lui pour pleurer, parce que vous savez par où il passe, Amen. Vous êtes passé, vous savez ce que ça fait. Amen. Ça, c'est pour ça qu'il est venu de la chair, mon frère. Amen. Amen. Ouais. Ne devons pas les perroquets, frère, tu dois, ça, tu dois. Non, observe d'abord ce qu'il en est. Amen. Toi-même, d'abord, tu ne sais rien faire. Amen. Mais tu dis aux autres de pouvoir faire. Amen. Mais tu es un hypocrite. Amen. Tu es un menteur. Amen. Il faut que toi, d'abord, tu sois. Amen. Que tu sois passé, que tu comprennes. Effectivement, c'est comme cela que le Seigneur est un bon berger. Amen. Parce que lui-même, il est passé. Il connaît ce que c'est qu'un brebis. Comment un brebis a besoin de berger parce qu'il est un agneau. Amen. Amen. Pas vrai? Voici l'agneau de Dieu. Amen. Donc l'agneau connaît l'importance du berger. Amen. Donc Dieu étant Jésus, lui étant l'agneau, effectivement. Maintenant, lui étant maintenant le bon berger, il connaît ce qu'un brebis maintenant. Il faut avoir comme besoin. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il ne peut pas me donner une loi dont lui-même ne sait pas vraiment en pratique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, oh, Dieu me dit, je viens maintenant moi-même. Amen. Dans la forme d'un homme, pour mettre maintenant cette loi en pratique, vous prouvez que je peux le mettre en pratique. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, c'est comme cela que nous devons réellement saisir effectivement les choses. Donc, en maintenant effectivement que Dieu devient le principal dans notre vie, dans tout le domaine, dans tout ce que nous sommes, sûr et certain, vous allez réussir. Amen. Sûr et certain, nous allons réussir. Amen. Je vais témoigner ici, hein, disant que l'avocat regardait les articles, il a cherché, il dit, monsieur, il fait ici, je ne sais même pas comment on fait, parce que, comment faire, hein, parce que tout est bloqué, est bouclé. Que ce soit là-bas, on a dit que pour les fessiers, rien du tout. On a tout essayé, il n'y a rien. Alors je le regarde, j'ai dit, vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Moi, j'ai difficile d'appeler un avocat maître. Ça, je vous dis que ça, c'est entre nous. Vous ne m'entendrez jamais dire, maître? Non, je n'ai qu'un seul maître. Ah, oh, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas, j'ai dit moi. Je ne peux pas mettre des demandes. Je vais mettre ici, mettre. Non, je ne dis jamais un avocat. Je dis, monsieur l'avocat. Je dis, mais monsieur l'avocat. Donc voilà ce que je dis jamais. Maître. Mais il n'est pas mon maître. Amen. Parce que je sais que j'ai un seul maître. Amen. Alors quand je dois m'adresser à mon maître, alors dit, tu es mon maître. Amen. Ah oui. Et c'est comme ça que moi, je sais. Bon, c'est.
Moi, c'est comme ça que Dieu fait. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais que moi, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu fait les choses à sa manière. Et ce que je vous dis, je n'ai pas dit que maintenant, on dit, bon, je, monsieur, moi, je ne vais pas t'appeler maître, vous n'allez pas avoir de problème avec. Moi, je ne les appellerai pas maître. Moi, non, 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 vous ne m'attendrez jamais, maître Sylvain, maître Joséphine, maître... En fait, si elle est Joséphine, c'est devenir maîtresse, non? Ah oui. Si tu fais l'erreur où tu veux dire maîtresse Joséphine, ton jugement va avoir des problèmes. Parce que tu dis, mais comment? Elle est maîtresse de qui maintenant? Puisque c'est l'avocat, elle est maîtresse de quelqu'un. Dit, mais oui, mais puisque vous avez, il faut l'appeler maître. Moi, je l'appelle maîtresse, c'est une femme. Oh, maîtresse, ça veut dire maîtresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, donc, pour ne pas arriver à ça, j'appelle l'avocat. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi ajouter avocate. Si c'est une femme. Ah, bon, je ne sais pas. Vous voyez comme cela, c'est. En fait, bref. Alors, moi, je dis, donc, voilà ce qu'il en faut, ce qu'il faut. Et ce que. Pourquoi? Parce que quand la situation était comme ça, je me mettais à genoux et Dieu m'inspirait. Elle me disait, il me disait, pardon, voilà comment tu dois dire, tu dis qu'il fasse ça, je vous dis la vérité, hein. qu'il fasse ça, qu'il écrive comme ça, comme ça, comme ça, la chose sera. Je m'en vais vers l'avocat, je dis, bon, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais maintenant voilà ce que je vais vous demander. Vous, vous écrivez comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je dis, monsieur, je dis, comme ça, parce que moi, je ne suis pas avocat. Il faut utiliser l'avocat à ce moment-là, je dis, mais. Vous avez ça, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous écrivez comme vous dites, mais c'est le guinée, je dis, mais écrivez comme moi je vous dis de pouvoir écrire. Faites-le. Et envoyez-la à chaque chose. Et je vous dis la vérité, frère et soeur. Lui-même me regardait comment je lui disais les choses, effectivement. Et puis il dit, bon, ça va comme vous me dites. Hein? Et je vais. Et cet avocat, c'était vraiment un jeune homme bon. Et il avait de la considération à mon endroit. Et puis chaque fois, ce qui est extraordinaire, chaque fois que je lui disais quelque chose, il faisait exactement. Comme je disais de faire. Je vous ai raconté ce témoignage. Et quand il a envoyé, le résultat venait comme je disais. Il était tenu bon. Ah, mais voilà, maintenant ils me disent que voilà, le dossier est ouvert. Et papa, j'ai dit bon. Secondement, on fait comme ça jusqu'à ce qu'on a une grande de cause. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques temps, quand il a terminé mon dossier, avec tout ce qui était effectivement, ben, il a été nommé au plus haut. Maintenant, il est devenu substitut du procureur. Un jour, il m'appelle. Mais c'est lui, faisait. Il dit, oui. Il dit, comment ça va? Je dis, mais ça va bien. Il dit, mais je suis devenu substitut du procureur. On lui dit, oh, gloire à Dieu, je suis heureux. Il dit, mais j'ai dit, tu te souviens que tu as été bon envers moi? Il dit, mais vraiment, avec votre dossier, je sentais dans mon corps qu'il fallait que je m'y donne. Moi, j'ai dit, c'était lui. Amen. Donc, il vous poussait de pouvoir vous investir. J'ai pensé. Et puis j'ai dit, je suis heureux. Il dit, mais oui, je vous appelle davantage d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi? Parce que, tiens, c'est bizarre. J'ai vu, quand j'étais là-bas au palais, j'ai vu un nom. J'ai dit, le nom du Fessé. J'ai dit, mais je le connais, du Fessé. Je le connais. On a bataillé ensemble. Il dit, quel problème vous avez? J'ai dit, non, je vois qu'il y a un problème, effectivement, au niveau des. Je ne sais plus très bien parce que je crois que c'était une situation au niveau des amendes, des policiers, d'ailleurs, bref, je ne sais pas qui. À l'époque, je prêtais ma voiture à la tête. Ben, on est allé rouler, on a brûlé les feux. C'était pas moi. On a fait du. Bon, finalement, vous riez. C'était pas moi. Moi, je n'ai pas fait les excès de vitesse. Et en plus, dans un point que moi, je ne suis pas passé, évidemment. Mais on m'envoie, monsieur le fessé, tribunal, passé. Oh, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, vous avez fait l'excès de vitesse. Mais quel jour? Mais j'étais même pas là ces jours-là. Ah, qui ça? Parce qu'à ce moment, on me demandait, frère, je peux avoir ta voiture? Mais il n'y avait pas de problème. Et on prêtait bien la voiture à qui? Mais quand on brûle le feu, on ne dit pas. Hein. Quand on a fait l'excès de vitesse, on fait seulement. On dépose la voiture et les clés. Ça a été dit, oui, pas de problème, pas de problème. Et c'est après vous que les problèmes viennent chez vous. Parce que c'est vous le propriétaire. J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, non, c'est encore à cause du problème. Parce qu'ils ont envoyé les choses en disant, j'avais oublié, puis évidemment, je n'ai pas pu payer. J'avais oublié. Et c'est comme ça qu'il est passé au tribunal. Et lui, il a découvert cela. Alors, j'ai dit, je pense que ça doit être ça, effectivement. Il dit, mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais celui-ci, il ne peut pas voir le problème, là. J'ai dit, mais comme vous savez. Et vous savez que. Même la jeune des quartiers était même venue chez moi à la maison. Il peut vous le dire, hein?
chez moi. Je dis, mais c'est bizarre, j'ai reçu ça. On m'envoie au tribunal pour vous. Il est venu à la maison pour s'asseoir, les gens. Mais la jeune quartier chez nous, d'avoir le bureau s'assied, une tasse de café. Oui, monsieur. Et il a pris sa tasse de café. Bon, on discute, qu'est-ce qu'il a. J'ai dit, mais je ne connais pas cette histoire. Et c'était lui, mais on m'a envoyé ça pour pouvoir quand même voir. Et puis il expliquait. Moi, j'ai dit, non, je ne connais rien du tout de ça. Puis ça tombait en fait un moment où je devais aller en voyage missionnaire en plus. Et on m'a convoqué au tribunal. Alors, j'ai fait un choix. C'était soit le tribunal, soit le voyage missionnaire. La date était fixée, les billets étaient là, le peuple de Dieu attendait. Et je vois la proposition de monsieur, vous devez vous trouver un tribunal tel jour, effectivement, tel jour. Là, je regarde, je dis, mais c'est le jour où je prends mon avion, je pars. Je dois annuler le voyage, je dis jamais. Amen. Pour Dieu, je dis jamais. Amen. Fixé, Dieu veut que j'aille, et le peuple attend là-bas. Je dis jamais. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais on va trouver un avocat. Et je suis sorti, et j'ai dit, bon, je vais quand même au palais, je trouve là, au palais, je sais ce qu'il y a là. J'ai dit, bon, j'ai dit, monsieur, j'habite en Flandre. Il dit, ah, oh, moi aussi, j'habite à Halle. J'ai dit, bon, ben. Vraiment mon problème, ça, lire. J'ai dit, ok, tu es l'avocat. Il dit, ok, écoutez, moi, je n'ai connu. Moi, je ne peux pas venir à ça. Mais comme toi, tu es un avocat, tu peux représenter quelqu'un. Mm. Eh bien, va me représenter, je ne suis pas responsable. Explique-moi, j'ai dit, je n'ai jamais conduit cette voiture-là comme ça. J'essaie de m'appartenir, mais on me condamne déjà, effectivement, expliquer la situation. Et puis, bon, le problème, c'est que maintenant, il fallait payer l'avocat. J'ai dit, mon Dieu, quand je pars en voyage, vous savez comment ça se passe là-bas. Je dois aussi prendre soin. Vous ne connaissez pas, hein? Mais là-bas, il faut nourrir, il faut payer l'hôtel, il faut pas manger soi-même aussi. Chaque déplacement, chaque chauffeur que tu as, il attend. Donc il te conduit, après, il faut, partout où vous allez, effectivement, les gens doivent manger. Alors, j'ai dit, mais je n'ai même pas assez. Si je dois payer maintenant l'avocat pour pouvoir défendre, qu'est-ce que je dois faire? Et l'avocat me dit, non, monsieur, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Vous partez calmement, écoutez bien, vous partez calmement, Dieu prend soin de tout. Vous partez calmement là-bas, vous faites ce que vous avez à pouvoir faire. Moi, je défends votre cause et vous n'allez pas me payer. Moi, je dis, je ne vais pas vous payer. Il dit, non. Vous savez quoi? Moi, je dis, non, monsieur, mais je vous informe. Vous êtes propriétaire de la voiture. J'ai dit, oui. Vous êtes assuré. Dans votre assurance. Il y a l'assurance avocat. Hein. Eh bien, cette assurance-là va me payer. Vous partez en paix. Et je pars en paix, sans avoir payé les frais. Mais l'avocat, et il est resté. Et alors que le juge, je lui dis, quand je suis resté au cas, je lui dis, mais M. Lifessé n'a pas payé. Dieu que je sers, il est vraiment merveilleux. Un jour, c'est vrai, j'étais chez moi à la maison. Cette histoire-là, on a mis. Moi, je ne savais pas que là-bas, on avait déjà fixé la date de ceci, de cela. J'étais à la maison, vraiment vrai. Alors, le Seigneur me réveille et me dit, cherche dans tes papiers la facture là, d'amende qu'on t'avait envoyée, que tu avais, tu n'avais pas payé. Prends-la, va la payer. Quand moi, j'entends ça, je me réveille, je sais que Tim me dit, c'est ce qu'il dit. Hein. Je prends, je vais à Benfusier, j'ai là-bas. La nuit, je rentre là, avant minuit. Hein. Je paye, paf, je fais vraiment sûr que. Écoutez bien, frère Zélie, mais pourquoi les frères nous parlent aujourd'hui comme ça? Je ne sais pas, mais Dieu a permis. J'envoie donc le paiement à ce moment-là. Je ne savais rien. Et puis, la convocation est venue avec ça, et puis j'ai été voir donc l'avocat. Je lui ai dit, bon, voilà. Alors, il me dit, mais ici, ils ont frappé très fort, parce qu'effectivement, ils ont dit que bon, le paiement n'a pas eu lieu, donc vous risquez effectivement de pouvoir. J'ai dit, mais allez-y, défendez les cas. Alors, je dis, mais voilà quand même que j'ai payé. Alors, quand il est allé défendre, pof, quelque chose s'est passé. Il dit, mais monsieur le juge, mais vous avez condamné mon client parce que vous avez dit qu'il n'a pas payé, il devait payer à la date du 28. Bon, évidemment, vous n'avez pas reçu l'argent à la date du 28, effectivement, je dis, mais ce qui s'est passé, c'est que mon client, lui, il a fait son virement à la date du 24. Donc, même si l'argent n'est pas arrivé dans votre compte le 28, mais sur son compte, l'argent est parti pour vous. Oui. Donc il a bien fait la chose. Il respectait un peu les timings. Il dit, ah bon. Oui, quand on a regardé, ah oui. Donc, vu qu'il a payé avant la date d'échéance, monsieur est libre. Voilà comment Dieu fait les choses. Oh, mais c'est la vérité, frère. Donc moi qui avais oublié, donc il a voulu que je passe ça avant pour que quand ça va tomber là-bas, c'est pourquoi, frère,
aimer davantage Dieu. Amen. Dans tout le problème que vous pouvez avoir, Amen. Nous avons un véritable conseiller, un avocat véritable. Oui, j'ai entendu parler de Maître Bidjosson, qui est vraiment un expert dans tous les droits. C'est pas Maître Bidjosson qui devrait le voir. Il peut voir ton cas, mais il ne peut pas le défendre. Nous avons entendu parler d'un seul maître qui relève tous les défis. Je connais ces dieux puissants. Il élève tous les défis. Peu m'importe si le mal se joue. Alléluia. L'éternel est dans les temps. Est-ce que vous comprenez? Frère, c'est pas ici qu'on veut faire l'histoire. Non, nous voulons entrer dans les choses qui nous concernent. Amen. Pour que nous sachions effectivement ce que nous avons comme richesse. Ce que nous avons comme bien. Ce que Dieu nous donne. C'est un privilège extraordinaire. Amen. Avoir Dieu et surtout avoir foi dans sa parole. Amen. Avoir confiance dans ses dieux. Le problème, c'est que notre confiance en Dieu est toujours limitée. Amen. Sûr, parce que nous ne le faisons pas vraiment confiance. Nous disons, et mon témoin, je crois, je connais, j'ai mon Dieu, frère. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais les gens qui détruisent l'influence du ministère de William Branham sont des branhamistes qui n'ont rien compris au ministère ou à l'importance de ce ministère. Ils parlent de choses dont ils n'ont pas saisi. C'est vrai, c'est eux qui sont au bas des trucs. C'est pourquoi beaucoup se répandent aujourd'hui. Nous avons cru à un faux prophète. Des gens qui ont fait 40 ans dans le message. Tout ça à cause de qui? Mais des faux prédicateurs. De tous ces gens-là, effectivement, qui racontent n'importe quoi. Qui détruisent l'influence du véritable homme de Dieu. Ils parlent de choses, effectivement, qu'ils n'ont même pas la connaissance. Véritable. Ils sont dans l'émotion. Ah, Dieu a envoyé les prophètes. Ah, voilà, voilà, les prophètes. Croyez aux prophètes, croyez aux prophètes. Mais c'est pas aux prophètes qu'il faut croire. Amen. C'est à Dieu qu'il faut. Amen. Alors, revenons vite ici pour ne penser si l'autre peut-être Dieu voudra peut-être notre temps, j'en sais rien. Alors, regardez bien. Maintenant, lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance dans le Seigneur, notre bonheur n'est pas non seulement d'ici pas, mais ce bonheur nous suit tous les jours. Amen. N'oubliez pas ceci, frères et sœurs. En Christ, nous sommes des bienheureux. Amen. Même si vous avez des épreuves et des malheurs qui vous arrivent, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Amen. Ton bonheur n'est pas ôté, non. Le malheur atteint souvent le juste, Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et que ton bonheur à toi, il y est toujours. Amen. Alors garde confiance. Amen. Quel amour, c'est Jésus le Seigneur. Augmente davantage de plus en plus en vous. Si cela augmente de plus en plus en vous, mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué? Josué. Amen. Josué, tout lieu qui foulera la plante de vous. Amen. Vous avez remarqué à quel moment Dieu lui a dit? Il dit, mon serviteur et moi, lève-toi. Et toi, fais entrer ce peuple, effectivement, il dit, mais tout lieu que foulera la plante de tes pieds, de vos pieds, je vous le donne en possession. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il s'agissait de quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui avait foi en ses dieux, quelqu'un qui ne voyait rien d'impossible, effectivement, pour chercher des petits compromis à gauche et à droite. Il disait, mais oh là là, comme je vois que ça se corse là, comment je vais faire? Est-ce que, comment je vais trouver? Non, 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 c'était pas quelqu'un comme ça. Non, 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 non. Lui était quelqu'un, lorsque il levait les yeux, il a d'abord dit, mais c'est Dieu qui était avec Moïse. Amen. Et Dieu te bénisse, mes sœurs. C'est Dieu qui est avec Moïse. Mais Moïse est parti. Est-ce que Dieu est mort avec Moïse? Non. Nous avons sa parole. Amen. Nous accrochons à sa parole. Oh, Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Amen. Donc, il dit, c'est Dieu là. Il est avec nous. La preuve, c'est qu'il nous a parlé. Amen. Amen.
Vous voyez l'importance de toi, mon frère, de toi, ma soeur, d'avoir une communion, un contact véritable. Amen. Avec Dieu, parce que, frère, non, la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Ah, c'est sûr et certain. Amen. Mais béni soit celui qui a confiance. Oh, c'est Dieu dans lequel il a d'abord eu contact. Pourquoi vous dites amen à la parole de Dieu? Ce n'est pas parce que moi je vous ai enseigné. Non, parce que votre foi en ces dieux a fait que ces dieux vous enseignent. Amen. Et quand moi maintenant, sous l'esprit, j'ai dit les paroles qui vous ont enseignées, vous dites amen. Amen. Donc vous n'avez pas confiance en moi, c'est en lui. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, ça. Il faut que nous puissions avoir cette attitude. Nous plaçons notre confiance en Dieu et dire tout lieu qui foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. C'est pourquoi, quand on vous donne les notes d'habiter les territoires dans un pays, on m'a chassé, bon, je prends mes bagages, je les prie. Oh oui, mais c'est bien qu'on t'a donné l'autre des territoires. Le problème, c'est que toi, tu dois demander à Dieu. Amen. Est-ce que, parce qu'on m'a donné cette autre des territoires, toi tu veux que je m'en aille, oui ou non? Amen. Moi je posais la question à Dieu. Amen. D'ailleurs, moi je leur avais dit, je m'en vais, moi je pars. Et oui, oui, frère, je suis passé par là. Implorer la grâce de Dieu, consulter Dieu, c'est une bénédiction pour Amen. Moi. Ah oui! Et monsieur, il fait ça, tu donnes, je dis, pas de problème, tu dis, je suis heureux. Et puis Dieu vient me dire, donc tu ne partiras pas, tu restes là. Amen. Amen. C'est pas une histoire, c'est une réalité. Amen. Dans ma vie. Amen. Donc, il faut consulter Dieu, ne te précipite pas, oui, parce que les hommes ont dit, ils ont fait ces choses. Non, Dieu veut aussi voir Amen. Qui tu es. Amen. Amen. Est-ce que tu as vraiment la foi que ce Dieu peut même changer de loi à cause de toi? Est-ce que tu as réalisé la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Est-ce que tu as réalisé que ce Dieu-là est le propriétaire de toutes choses? Alléluia! Mon frère et ma soeur, tous les hommes sur la terre sont des locataires! Oui, bien sûr! Il n'y a qu'un seul propriétaire. Alléluia. Les cieux et la terre. Amen. M'appartiennent. Amen. Ses propriétaires et ton père. Alléluia. Cessez de faire des compromis à gauche et à droite. À vous tuer pour des choses inutiles. Nous avons tout Amen. En lui. Amen. Il n'y a personne qui peut arriver à dire, il doit, non, quand il prend des décisions, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ouais. Il dit, mais, écoute, mais qu'il prenne des décisions, ils seront sans effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur, Alléluia. Reviens. Amen. Reviens à celui qui a la capacité. Alléluia. Alléluia. Amen. De transformer les choses. Amen. D'appeler les choses qui ne sont Alléluia. Point. Comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui peut ouvrir un chemin. Amen. Là où il n'y a pas de chemin. Amen. Et c'est Dieu qui veut donner de l'eau. Amen. Là où il n'y a pas de corps. Alléluia. Lève-nous, frère. Lève-nous. Notre Père, notre Dieu, ce matin nous voulons te dire encore merci, nous voulons glorifier ton Seigneur, roi, parce que tu es l'auteur de ta parole, mon maître et Père, le donateur de tout nom excellent, le Dieu qui vit, le Dieu qui délivre le roi, le Dieu qui guérit le roi. Oh, le puissant vainqueur, c'est toi. Le puissant sauveur, c'est toi. Oh, notre cœur est dans la joie. Notre âme est dans la joie, mon maître, mon frère, de te posséder. D'abord, un puissant Dieu pour toi. Un merveilleux, un glorieux Jésus, mon sauveur. Oh, nous inclinons devant toi, Père, reconnaissant la place, mon maître, mon frère. Oh, que tu nous aies touché, Père. Que c'est la grâce, mon roi, frère, que ce matin, mon roi, que tu aies été ici présent et que tu sois présent, mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu as solutionné tous nos problèmes, Père. On a des chants, on met le Dieu. Tout est possible. C'est lui qui est possible.
et tes grandes compassions vont sur moi. Oh, jamais tu n'as changé personne. Tu demandes le Dieu qui nous remplace notre confiance. Tu es notre soutien, notre secours et notre cœur glorieux. Alléluia! Gloire et honneur à toi. Et nous sommes Thank you.
Alléluia, nous sommes Jésus, mon maître, mon Dieu.
Merci Seigneur.